Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour un nouvel épisode sur Daymar 1994, toujours en compagnie de notre agent Reyes, toujours aussi belle, toujours aussi sexy. Donc on s'était laissé dans les cuisines la dernière fois, ça ressemble à des cuisines il me semble, ouais c'est ça, et on devait aller vers un espèce de gros portail qui s'était ouvert, on avait survécu à une petite arène juste avant je crois de quitter l'épisode précédent. Et ici, il n'y a plus de pilules. Ok, no more pills. Donc il n'y a plus de pilules. Alors, on va aller voir ce qui se passe par là-bas. Comment on est au niveau de la vie? Ok, au niveau de la vie, on est bien. Les munes, on n'en a pas trop trop. Mais on va essayer d'y aller quand même. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Ok, ça sent pas très bon, je pense. Sorry. Sorry? Fucking psycho. Foster was killed for that vial. I don't want to believe that Roddick is involved in all this. Ok, bon bah il est désolé, c'est déjà ça quand même. Bon, toi, il y a personne qui va venir te chercher, je pense. Alors je suis très content de vous retrouver quand même sur ce jeu, je m'amuse plutôt bien pour l'instant. C'est un mélange d'action et un peu de creepy, donc c'est plutôt cool, j'aime beaucoup. J'aime bien quand les deux sont associés. On doit monter dans le train, yes. Ok, je dois faire partir le train. Mais avant de faire partir le train... Est-ce qu'on a quelque chose? Non, ok, on n'a rien. Bon bah du coup on se casse. Ok, on part pour Castle. C'est sympa ces petits wagonnets là. Plus il y a un petit pilote automatique, c'est cool. Allez, on est arrivé, tout le monde descend. Ah, quand je dis tout le monde, je descends tout seul. Alors là, je pense que peut-être plusieurs choix s'offrent à nous. Helen, stop! Freeze. Freeze. There's no end of Hades down here. You. We meet at last. I don't think I've had the pleasure, miss. I heard all about you. As you wish. Let's skip the pleasantries. Just hand over the weapon so we can speak more calmly. Ah, mais tu me tires pas dessus aussi. Don't move a muscle. Maybe what I heard was exaggerated. Oh, il a failli viser mon pied, ce con. You know your stuff. The way I see it, either we keep snarling at each other until one of us pulls the trigger, or you listen to what I have to say. The clock is ticking. We got off on the wrong foot. But we're going to have to cooperate if we want to get out of here alive. You don't have to get out of here alive. If I wanted to kill you, you would already be dead. The last thing I want to do is put my trust in someone from Hades. But I'm all out of options. What's the matter? Too afraid to go alone? Fear is the appropriate response. The entrance to the castle is sealed due to the state of emergency. We're trapped in this fucking tomb.
This is the only way out. We'll need to unlock it by deactivating the security system. So what are you waiting for? It's not gonna be easy. There are three sectors. The castle, medical area, and the residential area. Are you serious? Yeah. A few more floors down, we'll go through the center of the Earth. Whatever happened down there, it crashed the whole system. After disarming it, we'll need to get an access password from one of the facility managers. A password? We'll be looking for a needle in a haystack. I know. But a lot of the castle managers lived in the same neighborhood, in the residential area. I reckon that's a good place to start looking. Time out. I'm not convinced. God damn it. You'll never make it on your own. We have different objectives. Stop thinking like a soldier. I think we're both here for the same reason. To figure out what's going on. Otherwise, you'd have already pulled the trigger. Think about it. If you really want to shoot me in the head, you can do it later. Now you need me. We'll split up. I'll take care of the security system. You'll find the password. I don't want you getting under my feet. Okay. We keep in radio contact. And when we're done, we'll meet back here. And then you'll kill me, I suppose. Exactly. If you can. Anyway, you can call me Reyes. Ok, donc lui... Ah non, j'allais dire, il est déjà parti. Alors, est-ce qu'on peut lui faire confiance à lui ou pas? Je sais pas trop, les amis, pour l'instant. Je crois qu'on n'a pas le choix. On va lui faire confiance. Ça a l'air d'être un agent un peu comme moi, mais est-ce que c'est un bon agent ou est-ce que c'est un mauvais agent? Je sais pas trop. Alors, nous, on va prendre le monorail qui est là. Yes. Ok, donc du coup, il a dit il y a trois sections différentes. Et du coup, on va prendre la première déjà. Bon bah, cette fois, secteur médical. Making an appointment hey, m'appelle pas baby, toi. As soon as we meet again, you're going to need it. Je suis pas ta poule, hein. Can't wait. Seriously, though. You're doing the right thing. The president needs to know what happened. It's the only way to stop this thing happening again. Slow down, cowboy. We aren't on the same team. No, you're not like them. You're just wearing the wrong uniform. Concentrate on finding that fucking password. You don't know anything about me. Okay, listen. Be careful. Ouais bah fais donc be careful toi aussi. Hein. Ok, on arrive dans le secteur médical. Oh putain, c'est la sauce aussi ici là. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti pour faire du clic-clic bang-bang. Oh, c'est quoi ça? Oh my god. Ok, lui par contre, je vais jamais pouvoir le toucher, hein, vu la rapidité du truc. Mon dieu. C'est où la... Ok. C'est où la sortie? C'était ici. Alors lui, s'il se déplace à la vitesse que je viens d'apercevoir là... Alors... Jamais je vais réussir à le toucher. Ouais, on n'a pas trop le choix, je pense, madame.
Ok, on va se remettre le pompeux là, les amis, parce que je le sens moyennement. Alors, je sais pas si c'est nécessaire que je casse ça là, mais je préfère le casser au cas où. Oh merde. They must be close. Je vais encore me retrouver avec 50% de charge. Alors du coup, ok, quand même des petites munitions, ça c'est bien. C'est très gentil. Ok, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. Bah, du moins pas pour l'instant. Ok, il y a... Oula, il y a un gros œuf là. Oula, oula. Attends, on va éclater un petit peu tout ça là. Voilà, merci. Oh my god, ok. Je peux pas. Eh merde. Ok, lui il a explosé. Ok, ça en est pas trop mal sorti là, je pense, les amis. Alors, je sais pas vraiment à quoi sert ces espèces d'œufs là. Mais j'ai l'impression que ça fait rien, donc je suis en train peut-être de gaspiller des munitions pour pas grand chose en vrai. J'ai pas l'impression que ça débloque plus d'ennemis, enfin j'en sais rien, je sais pas. On verra peut-être plus tard. Ah merde, ok. Bloqué d'ici. Ici, nos blockades. Ok, nos blockades. But ennemi. Ok, ouais, je veux bien les petites munitions, ça c'est gentil. Oh, what the fuck? Hang in there. Maybe I can free you. Si tu tires, ça t'arrache les bras, non? Non, non, coupe pas. Did you work here? Do you know how to disable the castle security system? The castle? My energy! I don't know! Ah, ils sont en train de lui pomper son énergie en fait. Need to know. En fait, il meurt étouffé quoi, presque en disant. Hein. Where can I find... Monsieur Ward, c'est qui ça? Oh merde. Attends, mais il a plus de jambes? Bah ouais, je pense que j'ai pas le choix.
Bon bah voilà, hein, on va descendre voir ce qui se passe avec Monsieur Ward en bas, hein, les amis. Ah ok, je dois sauter dans le gros trou ici là. Donc c'est très gentil, mais comment je fais pour remonter après? Ouah, ça sent pas bon là. Ouais, y'a des... Ouais, y'a des gros œufs Kinder ici là. What the fuck? Il y a des gros œufs Kinder de partout là. Une dinguerie. Ok, ça on doit scanner. Merde, j'ai plus de place dans mon inventaire. Faut que je libère de la place, les amis. Ok, on va prendre un medkit, tant pis. Lecteur CD portable. Ok, c'est cool, mais c'est pour faire quoi exactement? Oh merde, j'ai une trop de soins et je peux pas l'utiliser. Ok, bon, c'est pas grave. On passera peut-être par là. Bon, bah, je me suis un petit peu perdu, les amis. Ne m'en voulez pas, mais en fait, dans le petit boîtier de CD que j'avais récupéré, il y avait un CD à l'intérieur. Et du coup, j'ai oublié d'interagir avec et je cherchais comme un abruti dans toute la zone savoir où est-ce que je devais aller, ce que je devais faire. Et après, j'ai pensé à ça et du coup, bah, c'était ça. Alors du coup, on est sur un système de gestion de la sécurité de Castle. Ok. Du coup, laissez-moi une minute et on va chercher un petit peu ce qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il faut juste enlever tous les verrous. Mais du coup, ça va ouvrir la possibilité d'ouverture à tous les ennemis, non ? I have a lead on the whereabouts of one of the castle security officers. I'm on the way to tell him the good news. I'll keep you updated. Okay. Ok, bah je pense qu'on va retourner en direction de Gora. Hein. Oh oh. What's going on? I need help. There's survivors. I can't abandon them. Bah moi j'ai avoir d'autres problèmes, je pense. Okay, okay, hang tight. I'm on my way. Ouais, bien sûr. I'll have to go back to the main entrance to reach Gora. I'll feel like a commuter in hell. Bien sûr, c'est moi qui dois retourner jusque là-bas. I am back, my boy. Where are you? Bon, il avait dit qu'il avait besoin de mon aide parce qu'il y avait tout qui brûlait là. Il y avait des enfants, machin et tout, donc il faut qu'on retrouve où est-ce qu'il est parti, notre ami Ghost là. Ok, ici il y a toujours rien. Du coup, on a déjà fait une unité sur 3, on va dire. I need to get the train back here. The one that Gora took. Ah merde, il faut faire revenir le train. Et comment je suis en capacité de faire ça, moi? Je suis
Je suis pas de la SNCF, moi. Putain, dis-moi pas que je dois y aller à pied. Ah non, faut juste à pied, là. Alors, qu'est-ce qu'il va me ramener avec lui? Des zombies? Putain, il revient vite, son train, lui, par rapport au mien. Attends, je vais reculer quand même, parce qu'on sait jamais. Ok, du coup, ça a l'air d'être Tigidou, là. On va aller voir d'autre côté, hein. Bon bah je vois que c'est pas la fiesta non plus de ton côté mon ami. Y a pas une très grosse ambiance quoi. On est très loin des petits cocktails Sex on the Beach. Hein. Alors là-bas c'est quoi Resident Area. Ok, j'adore mon accent anglais, il est tellement beau. Donc là, ok, c'est pour appeler le train. Le train, on va le laisser pour l'instant. On va essayer de se choper un petit checkpoint pas trop loin, là, les amis. Crazy. There really is a city down here. The doctor wasn't kidding. Gora, are you receiving me? There's a huge fire here. Ok, on va récupérer des munitions sur lui, là. On va peut-être pouvoir se choper un checkpoint là. Je vais essayer de me trouver ça. En tout cas, c'est très beau les petites fleurs là. Ça fait plaisir. Ah, ok. On a un truc par là, les amis. Ok, c'est ça. Distributeur de cachets. Bah ok. Il en faut, hein. Quand on n'a pas de pharmacie, il faut bien distribuer les cachets quand même. Oh là là, my god, my god, my god. Mais laissez-moi tranquille, nom de Dieu. Oh là, c'est pas possible. Il y en a trop. En plus, ils te foncent tellement vite dessus. Ok, du coup, je vais recharger. Je vais prendre ça à la place. Ok. Ah, ils abusent sur les ennemis. Merde, c'est quoi l'objectif? Ok, retrouver Gora. Bon, bah ça, c'est un objectif assez clair, quand même. Ok, on va descendre là. Bon, toujours pas de petit checkpoint pour nous. Ok, bah je crois que, du coup, on va pouvoir se laisser là, les amis. Il me semble qu'il y a eu un checkpoint automatique ici. Donc, c'est pas mal. Donc, on aura deux chemins dispo, soit suite droite, soit suite gauche. On verra quel chemin prendre suivant. Mon cœur s'y balance plus à gauche ou plus à droite dans le prochain épisode.